Bon matin! Bon samedi matin! Faites pas le saut parce que je ne suis pas maquillée du tout! Moi et mes imperfections, on vous dit bonjour! Hello! J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Bonjour Ginette! Allô, Emmanuel! Donc, je regarde premièrement si ça fonctionne. Là, je vois que je ne peux pas partager. Est-ce que vous êtes capable de partager le live? Dites-moi ça. Parce que j'essaye de le partager de mon côté et je ne suis pas capable. Est-ce que c'est parce que vous entendez trop la musique? Vous savez que Facebook est capricieux, hein? J'aimerais que vous me disiez si vous êtes capable de le partager. Je pense que oui. Est-ce que vous entendez beaucoup la musique? À savoir si c'est ça le problème. J'attends que... Allô, Guylaine! Guylaine, tu dis oui, oui, oui à quoi? On entend trop la musique, on est capable de partager. Dis-moi donc ça. C'est parfait, parfait, super. Bon matin! OK, tu peux partager. Parfait. Bon, alors je continue de partager. Donc, on parle des soins de la peau aujourd'hui. La musique, c'est correct? Bon, écoute, génial! Vous savez que les soins de la peau, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'y arrive, j'y arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Ah oui, vous êtes capable. Parfait. Alors! Salut, Blaine! Moi et ma face pas maquillée, on vous dit bonjour! Moi et mon imperfection aussi, vous voyez, je me suis fait très mal. Donc, j'ai une petite gale. Bon matin, Marie-Josée! Est-ce que je suis la seule ce matin, en ce samedi matin, qui n'est pas maquillée? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas maquillées? Est-ce qu'il y en aurait qui auraient le courage de faire un live comme ça, pas maquillée? Hein, on se sent tout nu. On se sent tout nu, effectivement. J'ai pas mis de bijoux, pas rien. Je me suis dit, on fait ça au complet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Attika. C'est partagé. Merci. Je pense que ça peut vraiment en intéresser plusieurs, notre discussion d'aujourd'hui, parce qu'on parle des soins de la peau. Alors, si tout est beau, Evelyne, t'es encore dans ton lit. Bon, écoute, on va partager ce moment-là ensemble. Marie-Josée, pas maquillée, non? Alors, si vous n'êtes pas maquillée présentement, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. J'ai remis ton rouge à lèvres désir, Marie-Josée. Ah oui, hein? On est là ce matin, t'as déjà fait ça. Vous savez qu'hier, on a eu une super de belle soirée, en fait. C'était une première édition, c'était une soirée qui était le temps que les gens se connectent. Je vais faire mon petit blabla du début avant de commencer mon soin de la peau, puis vous expliquer les bases. En fait, hier, c'était avec Rythme FM. Rythme FM qui est une émission de radio, en fait, qui est une chaîne de radio ici au Québec, parce que je sais qu'il y en a qui sont de la France qui nous suivent présentement. Et puis, alors, Rythme FM a organisé la soirée Bulles et Champagne. Donc, je recevais les gagnantes de ce concours-là ici dans les locaux de l'Académie. Et on avait vraiment fait une super de belle soirée. Je leur expliquais comment faire un beau maquillage, pas compliqué, en 5 minutes pour la vie de tous les jours.
Et on avait des petites bouchées, du champagne. C'était vraiment le fun. Vraiment, là, une très, très belle soirée. Puis, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment aimé leur soirée. Vous pourrez me le dire, me faire des petits pouces, des petits cœurs si vous étiez à la soirée hier. Fait que c'était bien le fun. Puis hier, ben j'étais très maquillée, hein, pour... c'était une petite soirée de maquillage. Donc, je me suis amusée à me faire un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Puis là, ben aujourd'hui, vous me voyez à mon naturel. Emmanuel, j'adore les bulles. Ouais, moi aussi. Hier, les bulles, là, surtout un vendredi soir, là, c'était bon, quelque chose de rare. Mylène, regarde, car c'est une source d'information de dingue. Merci, Jessica. Je vais essayer de pas trop vous bourrer la tête, mais j'ai de la misère, hein, parce que vous savez comment que je suis une passionnée, comment je trippe sur tout ce qui est maquillage, soins de la peau. Je suis esthéticienne de métier aussi, donc j'aime énormément tout le contenu, en fait, tout ce qui est cosmétologie, tout ce qui est soins de la peau, etc. Donc, des fois, je me perds, je me perds pas, mais je donne tellement d'informations que je peux peut-être vous étourdir. Fait que j'essaie toujours de garder ça quand même simple, prenant en considération que je suis pas en train de donner un cours d'esthétique. Mais ça, des fois, c'est difficile pour moi. Vous avez vu les derniers lives, je faisais un live sur le mascara, puis j'ai parlé pendant 1h30 du mascara. Est-ce que vous pensez qui a autant de choses à dire sur le mascara pendant 1h30? Ben oui. Oui, puis il a fallu que je me restreigne. Fait qu'imaginez. Bonjour Gabrielle, bisous de France. Vous savez que je reviens de la France aussi. Je suis revenue dimanche soir, dans la nuit du dimanche au lundi. Je suis allée à Paris pour plein de choses que je veux reparler aussi dans mon groupe. Celle qui trip. Vraiment beaucoup maquillage. J'ai mon groupe Facebook Sois l'artiste. Alors, vous pouvez vous joindre à ce groupe-là où est-ce que je parle de... c'est une communauté de partage où est-ce qu'on s'inspire entre nous, on se partage des trucs. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez venir sur le groupe. Et je suis allée à Paris pour affaires. On n'a pas chômé et je vous dirais que on n'a presque pas ni dormi ni mangé parce que vous savez que les Français... Ça mange à 10 heures le soir. Ça dîne à 10 heures le soir. Nous, on est habitués de manger vers 18 heures, puis eux autres, ils sont passés 22 heures. Donc, à cette heure-là, j'étais rendue à prendre un petit bol de céréales puis aller me coucher. Mais j'adore Paris. Si vous m'avez suivi sur mes stories Instagram, Messenger, j'essaie toujours de vous partager le plus de contenu possible parce que je sais que ça peut être intéressant de voir le behind the scene, hein, de voir derrière tout ça, mis à part juste une photo qu'on publie sur Instagram. Moi, j'aime beaucoup vous montrer beaucoup d'autres choses. Donc, Jessica du sud de la France, Emmanuel, oui, soit l'artiste, pas de E, tout en majuscule. Emmanuel, tu fais pas partie du groupe encore? Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça manque à ta vie, ça, là, Emmanuel. Alors, je suis allée en France pour rencontrer mes élèves de la France parce que vous savez que maintenant, nous avons des élèves qui sont de la France parce qu'on a notre académie de maquillage professionnel en ligne. Et je suis allée confirmer et signer des partenariats de fou. Je vous le dis, de fou. Je suis allée rencontrer Makeup Forever Academy, Makeup Forever Pro, pour que mes élèves de la France puissent avoir exactement les mêmes avantages que mes élèves du Québec. Et, vous savez quoi? Tout est fait, tout est signé. Donc, ils ont eu la gentillesse de me rencontrer. Je suis extrêmement heureuse. Puis, des fois, là, je pars un peu, là, je fais une petite parenthèse, là, puis en plus, vous êtes capable de vivre avec le fait que j'ai la face pas maquillée. Sachez que c'est un live sur les soins de la peau, ok? C'est pas sur le maquillage nécessairement. Donc, je peux me permettre ça. Je suis allée à Paris et puis il y en a souvent qui me disent « Hey, c'est donc ben hop ton affaire, ça bouge, c'est fou, c'est grandiose, qu'est-ce qui se passe? » Mais vous savez que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut qu'on colle la shot. Puis, les gens sont pas venus cogner à ma porte, c'est moi qui... est allé les chercher. Puis si vous avez un projet, si vous avez un rêve, il faut absolument que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour aller chercher ces gens-là. Donc, les partenaires, c'est moi qui est allé les chercher, c'est moi qui les a talonnés, qui leur a prouvé
qu'ils avaient tout avantage à faire partie de mes partenaires. C'est simple quand même, là, quand on parle de partenaires en France, ça a l'air gros comme ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé sur Internet, j'ai fouillé pour avoir les adresses courriel des personnes concernées, je leur ai envoyé un courriel, chacun d'eux, savez-vous quoi? Ils m'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu, j'ai renvoyé un deuxième courriel, ils m'ont pas répondu. Et là, je suis allée à Paris, j'ai pris l'avion. Tu sais, une fille motivée, là, je suis allée à Paris, j'ai pris l'avion, et là, j'ai pris le numéro de téléphone de ces personnes-là, et je les ai appelées, puis je leur ai dit bonjour, je suis présentement à Paris, je vous ai envoyé 2-3 courriels, j'ai pas eu de nouvelles. Ah, ben, tu sais, puis c'est normal, parce qu'ils savent pas je suis qui, en fait, donc ça peut être comme très abstrait pour eux autres. Ils doivent recevoir des millions de courriels de plein de gens. En fait, les grosses compagnies sont sollicitées par plein de gens. Donc, c'est normal qu'ils fassent un tri et que quand ils ne connaissent pas la personne ou qu'ils ne connaissent pas l'entreprise, ils mettent ça de côté. Puis c'est correct. Donc, puis là, ça a donné que les personnes à qui j'ai parlé m'ont dit « Ben oui, j'ai vu ça passer. Je suis désolée, on ne vous a pas réécrit. » Puis là, j'ai dit « Ben, je serais prête à vous rencontrer aujourd'hui. » Parce que je suis à Paris et je suis à 15 minutes, est-ce que je peux aller vous rencontrer? Bien, ils ont toutes unanimement dit oui. Et je suis allée rencontrer toutes les personnes que je voulais rencontrer. J'ai signé tous les partenariats et on a des partenaires de fous maintenant en France. Donc, je suis la fille la plus heureuse du monde parce que mes efforts et ma persévérance ont porté fruit. C'est pas d'être dans le... On n'est pas dans la... Je parle pas ici de résistance. On n'est pas dans la résistance puis dans l'acharnement. C'est pas ça. C'est parce que ça peut être difficile aussi pour des compagnies de se faire solliciter, de se faire trop solliciter, en fait. Faut que ça soit fait dans le respect et toujours dans le professionnalisme. Faut pas qu'il y ait d'harcèlement par rapport à ça. J'ai envoyé les courriels et c'était le premier appel qu'il y avait. Puis je leur disais que j'étais présente, puis... Ils ont été enchantés de me rencontrer, donc je suis très, très heureuse. Alors, vous savez quoi, en fait? Je vais vous partager plein de choses, mais sachez que maintenant, nous allons avoir à chaque année une formation directement chez Makeup Forever à Paris, sur Paris, parce que vous savez que les Français disent « sur Paris ». Alors, on va aller sur Paris à tous les années avec mes élèves. Et c'est quelque chose qui va être également ouvert à mes élèves du Québec. Donc, si j'ai des élèves qui ont le goût aussi de faire partie du voyage et de venir à Paris avec moi pour visiter le Louvre, pour aller visiter le musée de Louis Vuitton, pour aller visiter Makeup Forever Paris, pour voir la Tour Eiffel qui scintille le soir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ça a été une de mes premières réussites. Et ensuite, je suis allée voir Les Nouvelles Esthétiques. Alors, Les Nouvelles Esthétiques, qui est un magazine principalement français, mais qui est publié partout à travers le monde. Et c'est un magazine qui est spécialisé pour les professionnels de la beauté. J'ai un code promo aussi pour celles qui veulent avoir un spécial pour l'abonnement. Je vais vous donner un code promo pour les gens de la France et le code promo pour les gens du Québec parce que j'ai réussi à avoir les deux. J'ai également un code promo pour celles qui veulent participer au Congrès des nouvelles esthétiques à Paris. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir m'écrire également puis je vais vous donner le code promo pour que vous puissiez avoir le tarif étudiant. Hein? Êtes-vous fiers de moi? Je suis ben contente. Alors, je suis allée rencontrer Laure qui m'a accueillie vraiment, là, les bras grands ouverts. Donc, sachez que les Parisiens, les Français, en fait, c'est des gens extrêmement accueillants. C'est des gens qui sont très ouverts, qui ont été tellement gentils. Il faut juste savoir que quand tu demandes un café puis que tu dis oui à un café, le café, il va arriver gros de main. Ça, c'est ça la différence. Gros de main. Parce que là-bas, un café, c'est, j'imagine, un espresso aussi. Fait que je me suis fait servir plusieurs cafés. C'était très bon, d'ailleurs. Très, 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 très bon. Le café en France est magnifique. Et donc, c'est ça. Alors, nous allons également avoir accès au congrès d'esthétique à Paris. Autant mes élèves du Québec que mes élèves de la France, vous allez pouvoir également profiter de l'abonnement. Et aussi, je commence à écrire dans le magazine des nouvelles esthétiques également en France.
Et ce qui est super hot dans tout ça, c'est qu'en France, c'est le siège social en fait principal et c'est là que toutes les éditions à travers le monde vont acheter leur article pour publier dans leur magazine. Ce qui fait en sorte que ça se peut que mes articles soient publiés au Brésil, en Chine, au Japon, en Australie. Qui sait? Fait que je suis super contente. Et encore une fois, c'est pas les nouvelles esthétiques qui sont allées cogner à ma porte. Je suis allée là-bas, je me suis présentée, je suis arrivée avec des idées d'articles, avec des sujets. Je leur ai présenté ce que j'étais capable de faire et je leur ai proposé que j'aimerais écrire dans leur article. Ben, ils ont dit oui. Fait que c'est ça. Alors, je vous invite à faire la même chose si vous avez des beaux projets, des rêves. Est-ce que vous avez vraiment tout fait dans le respect, évidemment, et le professionnalisme pour que les gens vous disent oui? Souvent, on entend dire hein, que quand quelqu'un dit non ou il n'y a pas de réponse, c'est peut-être juste que ça veut dire pas tout de suite. Prenez-le comme ça. Je vais regarder vos commentaires en attendant. J'ai tellement hâte au 6 avril. Oui, Emmanuel, on se voit à Québec parce que c'est le make-up et business. Je ne sais même plus s'il reste de la place. Il doit pas en rester ben, peut-être une ou deux. Bravo, c'est tellement hâte pour toi. Merci, Evelyne. Evelyne qui fait partie de mes élèves d'amour que j'aime. Gabriel, comme ça vous serez, ou un café américain ultra long. C'est ça, Gabriel, exactement. Il faut demander un allongé ou un double pour avoir un café de grandeur, en fait, qu'on est habitué d'avoir ici au Québec. Un dé à coudre. Qu'est-ce qu'un dé à coudre? Aude, ça doit être une autre expression française. C'était tellement drôle aussi. Je vous avais parlé de ça, la Caroline malade. Mazak, c'est malade. Ça sera toujours bienvenue à Paris. Je vous l'ai dit, quand je suis allée à Paris pour la première fois, il y a 2 ans, je me suis sentie vraiment comme chez nous, comme si je retournais chez nous. puis je me plais à dire que j'étais sûrement Marie-Antoinette dans mon autre vie. C'est pour ça que je me sens si bien à Versailles, au Louvre et quand j'arrive à Paris. On fait bien des jokes avec ça, c'est bien drôle. Mais il y a 2 ans, quand je suis allée avec mon amie Mélissa à Paris, je me suis dit, ouais, moi là, un jour, je vais avoir un pied à Paris. Puis j'ai lancé ça dans l'univers. Mais savez-vous quoi? Je pense que ça va arriver pas mal plus vite que je pense. Ça serait honte, hein? Pourquoi pas? J'ai dit, toi, moi, je vais m'organiser pour avoir un pied à Paris, puis toi, Mélissa, arrange-toi pour avoir un pied dans le sud. Là, elle est à Barbade, là. Elle doit être en train de magasiner, justement, notre maison de plage. J'espère, en tout cas. Hein? Voyons, Mélissa, faut que tu travailles aussi, là, des fois. Hey, si elle m'entendait, ça serait épouvantable. Tu es de où, Gabriel? Moi, du Nord. Bon, ça se parle entre eux autres, ces Françaises-là. C'est correct, ça. On aime ça quand ça crée une communauté. Je suis de Anglais, mais j'aménage à Paris la semaine prochaine. Super! On va avoir d'autres contacts à Paris. C'est génial! Bonjour Cathy, bonjour France, Cindy, Hélène. Alors, c'était mon petit blabla du jour. Si vous avez des questions sur mon voyage à Paris, non, j'ai presque pas dormi. Non, j'ai presque pas mangé. Ça ressemble un peu à ça. C'est ce qui fait que j'ai une face un peu sur le décalage. Et je voulais vous parler des soins de la peau aujourd'hui. Et c'est génial parce que... Je vais faire les soins de la peau avec... Je recommence parce qu'en fait, je veux mettre cette vidéo-là aussi sur YouTube. Puis il faut toujours que je pense à faire une belle introduction parce que je coupe le blabla du début. Hein? Vous me permettez ça? Bon matin. Alors, non, pas tant que ça, là. Mais en fait, ben merci d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme c'est écrit dans le titre, on va parler des soins de la peau. Pas pire ça comme introduction. Et je vais faire mon soin ce matin avec des nouveaux produits que je n'ai pas testé encore et j'ai très très hâte de les tester. C'est des produits français. Alors c'est les produits Payot. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Payot. Alors ici comme ça. Et puis c'est vrai, j'ai oublié de mettre le lien. En fait, je vais mettre le lien après sur la compagnie Payot. C'est Anamé Lessard qui est de l'Institut Anamé. Alors, c'est mon esthéticienne
qui m'a remis ces magnifiques produits-là pour que je les essaie, pour que je donne mon avis également. Alors, sachez que je ne suis pas payée pour faire ce live-là et utiliser ces produits-là. Le but étant de vous éduquer en soins de la peau. Et évidemment, j'ai besoin de produits pour pouvoir le faire et je suis très, très heureuse de pouvoir utiliser ceux-là. Par contre, sachez que toutes les informations que je vais vous transmettre, c'est des informations qui sont universelles, peu importe les produits que vous utilisez. Mais je vais certainement vous faire quand même le feedback de cette magnifique compagnie-là française qui a une très belle histoire d'ailleurs. En fait, Anamé, quand elle va se joindre à nous peut-être ou qu'elle va répondre plus tard, parce que je l'ai invitée à venir nous voir dans ce live-là, parce que je ne suis pas la spécialiste de cette compagnie-là. Je suis allée lire un petit peu. Et puis également, Anamé m'a donné les principales informations par rapport... Alors là, je suis juste en train de regarder. C'est ça. Donc, Anamé m'a donné les principales informations par rapport à ces produits-là. Alors, je vais y aller évidemment avec mes connaissances à moi et avec ce que je sais de ces produits-là. Mais l'experte, ce sera Anamé. Anamé Lessard, qui est une esthéticienne, une très jeune esthéticienne. Je pense qu'elle a à peu près, tu me le diras, là, mais peut-être 22 ans, mais... elle est d'un professionnalisme et d'une expertise qui me jette à terre. Elle me fait un petit peu penser à moi à son âge, un petit peu. Entrepreneur, elle veut tout savoir sur le sujet, elle veut d'être une experte, elle se forme constamment. Pour vrai, si vous cherchez une esthéticienne, si vous cherchez quelqu'un qui va bien vous informer, vous conseiller pour les soins de la peau, pour avoir des soins visage qui sont adaptés, Anamé Lessard, c'est elle que vous devez aller voir. Vraiment, là, c'est une petite perle. Elle est située à Trois-Rivières, mais je suis convaincue qu'elle peut certainement vous faire des conseils à distance. Et si je ne me trompe pas, elle fait également la livraison aussi de produits. Alors, elle a une boutique en ligne. Je pense qu'on peut magasiner les produits. On ne peut pas nécessairement faire la transaction pour l'instant sur son site Internet, mais on peut quand même aller magasiner les produits et par la suite les commander et elle pourra vous les livrer. Donc, c'est des produits professionnels, premièrement. Ce n'est pas des produits qu'on retrouve en grande surface. Hein, c'est des produits, vous savez pourquoi qu'il y a des produits professionnels qu'on retrouve en grande surface, en pharmacie versus les produits professionnels. Les produits professionnels sont beaucoup plus concentrés et beaucoup plus actifs. Ce qui fait en sorte que les produits doivent être entre les mains de professionnels pour être capables de bien vous expliquer comment les utiliser. Parce qu'il y a une façon précise. Des crèmes qui ne sont pas trop concentrées, qui sont très neutres, en fait, souvent qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, il n'y a pas de risque de se tromper ou peu importe. Mais c'est sûr que les résultats peuvent être un petit peu moins importants dû au niveau de concentration. Alors ça, c'est une des raisons aussi qui fait la différence entre les produits professionnels qui sont destinés aux cliniques, aux soins esthétiques, aux instituts de beauté, en fait. Et voilà, donc je pense que je vais commencer tout de suite le soin, puis je vais pouvoir continuer à vous parler de l'histoire de cette petite compagnie-là, grande compagnie, en fait, qui est vraiment géniale, qui existe depuis longtemps. Premièrement, vous me le dites si vous avez des questions hein, concernant les soins de la peau et je vais y répondre pendant ce live-là, pendant cette petite vidéo-là. Bonjour Sonia, Chantal, hello! Allô Ariane! Donc, alors, je me suis levée le matin, ce matin comme ça en fait. Hein, je ne me suis pas maquillée du tout justement parce que je m'apprête à faire mon soin de beauté hebdomadaire et je vais le partager avec vous. Alors, sachez que il y a des soins hebdomadaires, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le fait une à deux fois par semaine. Et on a également une routine à adopter matin et soir. C'est le premier geste de beauté. Vous devriez diminuer votre quantité et votre temps passé au maquillage et consacrer plus de temps à votre routine beauté parce que qu'est-ce qui fait que vous allez être rayonnante, que vous allez avoir un beau coup d'éclat, que les gens vont vous regarder puis ils vont dire « Wow, t'as l'air reposé, t'as l'air... » C'est votre peau, OK? Votre peau, premièrement, c'est l'organe le plus grand, le plus gros, en fait, sur notre corps. C'est vraiment, c'est un organe. On doit en prendre soin.
Et c'est la première chose qui est en contact avec l'extérieur. Alors, ça demande des soins particuliers et surtout au niveau du visage. Est-ce que vous vous rendez compte que le visage, c'est la partie du corps qui est constamment exposée à l'environnement, qui est exposée au froid, au chaud, aux bactéries, aux microbes, aux intempéries, à la pollution, à plein de choses comme ça. Alors, c'est super important de bien soigner tout au long de notre vie. Premier geste de beauté, c'est de nettoyer son visage matin et soir. Et je vais vous donner des raisons très, très, très précises et je suis convaincue que je vais également vous convaincre de nettoyer votre visage à tous les matins et à tous les soirs. Je vais commencer avec, c'est une mousse micellaire nettoyante une mousse d'eau onctueuse aux extraits de framboise sans savon. Alors, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une mousse. Moi, j'aime ça quand c'est des... On peut utiliser des laits démaquillants, des laits nettoyants, mais on peut également utiliser des mousses. Moi, j'aime beaucoup les mousses. Je vais prendre des petits cotons. Alors, c'est la nouvelle tendance, hein, les petits cotons démaquillants réutilisables. Donc, avant, je devais aller acheter des caisses de petits cotons comme ça parce que j'en utilisais matin et soir. C'est terminé. Alors, c'est ma belle amie Marianne Banville et sa maman qui ont fait ces beaux petits cotons-là avec deux côtés vraiment différents, un côté très doux et un autre côté plus style serviette, en fait, pour pouvoir bien désincruster. Alors, c'est super le fun parce qu'on nettoie son visage, on essore, on rince comme il faut, on peut laisser sécher et puis on reprend le lendemain. Et ensuite de ça, on peut les mettre dans la laveuse, donc dans un petit sac troué. Et puis, ça fait en sorte que c'est très, très, très écologique. Et aujourd'hui, c'est super important d'être écologique, vous savez. Alors, j'ai mon petit bol d'eau ici. Donc, je vais tremper premièrement pour simplement humidifier ma peau. Emmanuel, je suis esthéticienne depuis 23 ans. Ne pas oublier de toujours mettre les produits sur la peau humide. Exactement, Emmanuel, ça c'est un super de bon truc. C'est ce que je m'apprête à faire. Donc, je vais simplement humidifier ma peau pour pouvoir bien appliquer. En passant aussi, si vous voulez tenir bien vos cotons, il y a une façon de les tenir. Allô, Rose! Alors, la façon de bien tenir les cotons pour que ça aille bien, c'est de les tenir sur les deux doigts ici. Alors, vous avez votre majeur et votre annulaire. Annulaire et non annulaire. Comme ça. Et ensuite, vous le tenez avec votre index et le petit doigt, l'auriculaire. L'index et le petit doigt, comme ça. Et voilà. Plutôt que d'avoir toujours les pouces comme ça, c'est la façon de tenir vos cotons. Puis ça va super bien. Alors, mouvement circulaire, comme ceci, pour humidifier ma peau. Et ensuite, comme je vous disais, je vais aller tester la mousse. Alors, c'est une mousse qui va aller nettoyer. Donc, j'imagine que c'est neuf. Alors, regardez, c'est le fun! C'est vraiment une mousse. Attends, je vais vous le montrer pour que vous voyez bien sur le dos de ma main. Là, regardez, c'est un liquide. Puis avec la pompe, ça fait une mousse. Ben, j'aime bien ça. Wow! Oh my God! Ah, ça sent le ciel, là. C'est génial. Il n'y a pas de parfum dans les produits. C'est tous des produits à base de plantes. Alors, toutes les fragrances, en fait, qu'on sent, c'est tous des produits botanicaux. C'est tous des parfums, en fait, des ingrédients naturels qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'adore la texture, vraiment, là. C'est génial. Donc, premièrement... Bertil, bonjour! Marilyn, j'apprends beaucoup de choses avec vous. Je suis esthéticienne depuis 9 ans. Ah, oh, c'est donc bien le fun! Mais je suis bien contente. Et maquilleuse depuis 4 ans. Bien, bienvenue, Bertil. Je suis contente de savoir que vous
vous apprenez quand vous écoutez mes lives. Alors, vous voyez que je fais des mouvements circulaires vers le haut. Toujours, parce que la peau, c'est comme des petites écailles de poisson vers le bas. Tous les produits de nettoyage, les produits de soins, je veux qu'ils pénètrent dans la peau vers le haut pour aller enlever et bien désincruster le tout. Alors, mouvement circulaire, comme ça. Et circulaire aussi dans le cou, ne pas oublier. Et évidemment, quand je suis dans la douche, ça va encore mieux parce que je peux vraiment aller nettoyer tout mon décolleté. Il faut bien masser, comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais rincer. Pourquoi nettoyer son visage à tous les soirs? Je vous donne plein de raisons très importantes. Premièrement, tout ce qui se ramasse sur vos mains durant la journée, ça se ramasse également sur votre visage. Bactéries, microbes, saletés. Imaginez ne pas vous laver les mains de toute la journée, de toute la soirée, puis d'aller vous coucher. J'imagine pas ce qu'il va y avoir dans votre lit. Alors, c'est super important de nettoyer, question d'hygiène. Alors, je reprends mes petits cotons et je vais aller nettoyer encore une fois par mouvement circulaire vers le haut, comme ceci. Ensuite, même chose, mouvement circulaire. Je passe partout, partout, partout. Même façon au niveau du cou. Voilà. Et je peux même aller aussi vers le haut. Alors, toujours. Et on va aller masser vers l'extérieur, comme ceci. Pour vraiment apporter la circulation vers l'extérieur, pour éviter là, l'aspect là, du petit double menton et la mâchoire qui perd de sa... qui va perdre de son... je manque mes mots, là, mais... de son tonus un peu à travers le temps. Le fait de masser vers l'extérieur comme ça, ça va aller éliminer les toxines, les gras et le fluide, les liquides, en fait, qui vont se ramasser au niveau de la mâchoire et sous le menton. Alors, on fait des mouvements vers l'extérieur pour éliminer et... activer la circulation sanguine. Ensuite, je peux prendre l'autre côté. Élasticité, oui, Aude. Mais je voulais dire l'ovale, en fait. La précision de l'ovale qui, souvent, avec le temps, va s'affaisser. Alors, on doit vraiment là, prendre le temps de faire les bons gestes quand on fait le nettoyage. Donc là, je suis allée prendre l'autre côté. Je m'étais bien nettoyée et démaquillée. Puis vous voyez, il reste toujours quand même... Un petit peu de saleté. Donc, c'est normal aussi, hein, si votre peau commence à prendre... Moi, j'ai une peau qui est très sensible, qui réagit beaucoup, beaucoup. Et c'est parfaitement normal qu'au nettoyage, ma peau prenne de la couleur, comme ça. Parce que là, avec le massage que je fais, ça va aller activer la circulation sanguine. Et en fait, c'est ce que je veux, parce que plus la circulation sanguine est activée, sans l'effet de brûlure, et évidemment, et le fait que ça soit rouge écarlate, juste un petit aspect rosé comme ça va faire en sorte que les produits que je vais utiliser par la suite vont être encore plus efficaces. Parce que le sang est à la surface de la peau, alors il va être capable d'aller chercher les nutriments de façon plus efficace. Donc, vous me dites si c'est déjà trop compliqué, là. Je sais que je parle beaucoup en termes esthéticiennes, mais j'essaie de vous garder ça très, très simple. Également, pourquoi on nettoie le visage le soir? Vous savez que la nuit, c'est là que la peau se régénère, OK? Donc, c'est là que la peau va... se reconstruire, va recréer du collagène, de l'élasticité, tout ce qu'on a besoin finalement pour que notre peau reprenne son état initial ou presque. Alors, en principe, à chaque nuit, j'ai le malheur de vous apprendre qu'on vieillit toutes d'une nuit. Est-ce que là, je viens de gâcher votre journée? De vous expliquer qu'à tous les soirs, tout le monde, c'est la seule justice sur Terre, on vieillit d'une nuit. Ben oui. Mais, si on ne prend pas soin de nettoyer notre visage le soir, la peau ne peut pas bien se régénérer. La façon que la peau peut se régénérer, c'est de bien respirer. Vous trouvez ça drôle, hein? Ben oui, on vieillit toute d'une nuit.
La peau doit bien respirer, doit avoir les nutriments nécessaires pour pouvoir bien se régénérer. Et si on nettoie pas notre peau, la peau ne respire pas. Et au contraire, va se ternir, va s'asphyxier tranquillement. Alors, au lieu de vieillir d'une nuit, ta peau va vieillir de 4 nuits. Quand ça fait 20 ans que tu nettoies pas ton visage à tous les soirs, si tu fais un calcul rapide, là, c'est pas juste une couple de semaines de plus. C'est peut-être quelques années supplémentaires que tu aurais pu t'éviter si tu avais nettoyé ton visage à tous les soirs. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai scandalisé quelques-unes? Vous me dites si vous avez des questions. Donc, ensuite, alors là, j'ai bien nettoyé mon visage. On va, par la suite, quand on fait un nettoyage, on parfait le nettoyage avec une lotion. Une lotion tonique et cette lotion, oups, celle-là ici, lotion tonique. Alors, c'est une lotion qui est également à l'extrait de framboise. Et ce qui est intéressant avec, premièrement, les lotions, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller resserrer les pores de peau. Ça va aller éliminer l'excédent de nettoyant qui pourrait rester en surface. Et ça va aller repulper le tout. Alors, c'est très intéressant d'utiliser une lotion tonique après le nettoyage. Et à l'extrait de framboise, ces deux produits nettoyants-là, en fait, à l'extrait de framboise, la framboise, ça a comme effet de donner un coup d'éclat, d'éclaircir le visage, de raviver le visage. Et en plein mois de mars, comme ça, je vous jure que ça prend un coup d'éclat assez important pour pouvoir ramener cette peau-là qui a eu un hiver difficile. Puis je sais que je ne suis pas la seule, là, hein? On s'entend, là? Alors, je prends ma lotion tonique à base de framboise. Je peux reprendre mon même petit tampon démaquillant et je vais appliquer une quantité de ma lotion complètement liquide. En fait, ah, elle est complètement liquide. Encore une fois, ça sent le ciel. Bien dit, heureusement que je nettoie mon visage matin et soir. Voilà. Alors, je vais passer ma lotion tonique partout sur mon visage. Voilà. Donc là, c'est sûr que j'ai expliqué beaucoup de choses. Hey, c'est fatigant, hein, ça? J'aimerais beaucoup être comme ça aujourd'hui. Mais bon, on a toutes nos imperfections, hein? Une petite gale comme ça, là. J'ai trop gratté, en fait. Et voilà, ça l'a fait une petite gale. Imaginez que c'est un grain de beauté. OK? Imaginez que c'est un grain de beauté. Bon. Voilà pour ce qui est de la lotion tonique. La lotion tonique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser le matin aussi. Donc, si on ne veut pas nécessairement refaire un nettoyage complet, parfois, exemple, si vous douchez le soir, c'est super facile de bien nettoyer son visage dans la douche le soir. Et ensuite, le matin, si vous ne reprenez pas une douche, peu importe, de reprendre juste la lotion tonique, c'est intéressant. Mais c'est une étape aussi primordiale au niveau des soins de la peau. Pourquoi? Parce que on doit aller enlever les petites pellicules. La petite pellicule, en fait, que notre peau a sécrétée durant la nuit. Durant la nuit, la peau va aller rejeter tous les déchets qu'elle n'a pas besoin. Toutes les petites peaux mortes, le sébum, les microbes, les bactéries, tout ce qui est rentré à l'intérieur de la peau, ça va sortir et ça va rester en surface. Donc, de là l'importance d'enlever par la suite toutes les petites traces de sébum, de bactéries, toute la petite couche, en fait, qui reste en surface. Parce que si vous prenez votre crème de jour et que vous l'appliquez sur une peau qui n'est pas nettoyée, c'est comme si vous preniez votre crème de jour et que vous la mettiez aux poubelles à tous les matins, en fait, parce qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur de la peau. Bonjour Sylvie! Je suis contente de savoir que tu es là. Alors Sylvie, que je vais rencontrer très bientôt. Parenthèse comme ça, je quitte, vous savez que je reviens de Paris, oui, il n'y a pas si longtemps, mais je repars dans quoi, 2 semaines? Pour aller donner un atelier exclusif sur la psychomorphologie. Je reprends l'avion et je vous suggère en fait de deviner où je m'en vais.
Alors, j'aimerais ça que chacune, vous preniez un guess, à savoir à quel endroit, s'il y en a qui le savent, dites-le pas, OK? Mais celles qui n'ont aucune idée où je prends l'avion pour aller donner mon atelier sur la psychomorphologie et le maquillage, évidemment, bien, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire à quel endroit, à travers le monde, vous pensez que je repars. Je vous laisse deviner. Oui, Sylvie, elle sait. Sylvie, dis-les pas. D'ailleurs, Sylvie, on va se céduler un petit live ensemble très bientôt pour que je puisse vous expliquer ce week-end de fou-là extraordinaire que Sylvie a organisé. Alors, je vous en parle très bientôt. Alors, si je reviens aux soins de la peau, est-ce que vous aimez ça, les petits trucs et les informations sur les soins de la peau? Ça fait différent du maquillage, mais je trouve que c'est très connexe. Si vous aimez ça, vous pouvez me faire des petits pouces, des petits cœurs. Si vous n'avez pas partagé, ben c'est le temps que vous partagiez. Hein? Tout le monde a de la peau, puis tout le monde faut qu'il se lave la peau. L'important, c'est qu'on sache comment. Donc, alors la lotion tonique que je vous disais de mettre le soir après le démaquillage et le matin également. Le soir, en fait, je vais tout de suite parler de... des produits pour le soir parce que je veux faire mon soin, mais je veux vous parler de toute la gamme que j'ai reçue parce que ça, c'est très, très, très intéressant. Et là, en fait, j'ai été vraiment surprise parce que j'avais jamais entendu parler de cette technologie. C'est une technologie révolutionnaire par rapport aux soins de la peau. Je vais simplement aller chercher les informations pour être sûre de vous parler des bonnes choses. Alors, c'est premièrement, lui, c'est le Blue Régénérant. Parce que vous savez que présentement, il y a plus... En fait, les dernières décennies, l'ennemi numéro un du vieillissement, l'ennemi numéro un, en fait, des femmes, des hommes, de l'être humain en général, de ce qui causait le vieillissement prématuré de la peau, est-ce que vous savez c'est quoi? Le premier, celui qui fait vieillir la peau de façon prématurée, le premier ennemi. J'attends que vous me répondiez en commentaire. Est-ce que vous le savez? Celui qui fait vieillir notre peau prématurément. Je regarde si vous avez des commentaires. Là, il n'y a pas personne qui s'est lancé à savoir à quel endroit je m'en vais dans 2 semaines? Où est-ce que je vais dans 2 semaines? Alors oui, le soleil, parfait, et voilà. Alors le premier ennemi, c'est le soleil. C'est lui, en fait, qui va faire en sorte que la peau va vieillir de façon prématurée, c'est-à-dire qu'elle va vieillir avant son temps. C'est pourquoi les produits de FPS, soins solaires, sont aussi populaires pour la prévention du vieillissement. Maintenant, n'oubliez pas de m'écrire où vous pensez que je vais donner ma première... En fait, c'est pas ma première conférence ni ma première formation, mais c'est la première fois que je vais donner en formation-conférence mon atelier sur la psychomorphologie. À quel endroit dans le monde je vais offrir ce sujet qui me passionne et je suis extrêmement heureuse d'avoir la chance. Alors, vous avez dit une île, Dubaï, Maroc. Est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, en attendant que vous réfléchissiez et que vous m'écriviez en commentaire à quel endroit vous pensez je m'en vais, je vous parle du nouvel ennemi qui fait vieillir notre peau de façon prématurée. Ce sont les lumières artificielles de nos écrans. La lumière d'écran, en fait, la lumière bleue qu'on appelle, c'est le nouvel ennemi du vieillissement. Bien, pas du vieillissement, en fait, là, mais c'est notre nouvel ennemi. C'est ce qui fait en sorte que notre peau vieillit de façon prématurée. Les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les tablettes, on passe énormément de temps sur ces écrans-là et
ils ont prouvé que ça accélérait le vieillissement du visage. Ouais, mesdames. Et sachez que nous passons énormément de temps. Présentement, je suis à vieillir de façon prématurée afin d'être en contact avec vous. On parle de prévention du vieillissement, on parle de la lumière bleue du cellulaire et présentement, on se parle par cellulaire. S'il vous plaît, ne fermez pas votre téléphone tout de suite. Attendez un peu. Vous le fermerez tantôt. Plutôt que de passer votre temps sur Instagram et Facebook, vous écoutez mes lives, puis après, vous fermez votre téléphone pour éviter de vieillir de façon prématurée. Moi, je trouve que c'est une bonne façon. Alors, ces produits-là, c'est la nouvelle technologie qui va aller combattre et prévenir le vieillissement dû à la lumière bleue. C'est fou, hein? Moi, quand mon esthéticienne m'a proposé ça, j'ai fait comme, ben voyons, tu me niaises. J'ai dit, pourquoi tu me proposes ça? Est-ce que c'est parce que tu penses que je passe beaucoup de temps sur les écrans? Je comprends pas. Pourquoi tu penses ça? Ça a été sa première suggestion. Écoute, Marilyn, je te suggère les produits qui se nomment Blue Techni, qui va vraiment à l'encontre des signes de vieillissement causés par la lumière bleue. Je suis obligée de quitter, mais hâte de te retrouver. Bye bye, Sylvie, on se voit bientôt. Alors, qu'est-ce qu'elle fait en fait la lumière bleue? C'est premièrement, la lumière va faire vieillir de façon prématurée la peau, si on l'a compris. Ça va faire en sorte aussi, souvent quand on est sur nos écrans, on va avoir une façon de regarder notre écran. On va souvent froncer les sourcils, on va plisser les yeux. C'est rare qu'on va avoir un aspect détendu à regarder notre écran comme ça. C'est bien rare. Souvent, on va être comme ça. On cherche. Et ça fait en sorte qu'on va développer des rides et ridules de façon prématurée. Donc, ces produits-là vont combattre ça. Alors, la crème de nuit, en fait, Blue Techni Lisse de nuit, je vais aller chercher la fiche technique pour vous dire les bonnes choses parce que c'est une routine, la Blue Techni Baume Bleu Nuit Lissant qui est à base de... ce que ça dit, c'est que ça lutte contre le rythme effréné marqué par une pollution digitale et une surexposition de la lumière bleue. Je trouve ça vraiment intéressant pour vrai. C'est une texture gel. Donc, texture gel, puis il y avait l'ingrédient principal, là, je vais aller vérifier, en fait, Anamé qui m'a envoyé la fiche technique, parce que pour les esthéticiennes qui me suivent, je sais que c'est super intéressant de savoir quel est l'élément qui va faire en sorte que... Alors, c'est des AHA, d'hibiscus, OK? AHA, d'hibiscus, en fait, c'est des extraits de fruits. Les extraits de fruits, qu'est-ce que ça va faire au niveau des AHA, quand il y a des AHA dans un soin? C'est que ça va aller exfolier de façon très, très douce la peau. Ça va aller enlever toute la couche superficielle de la peau, aller enlever les peaux mortes, mais également la peau qui s'accumule avec le temps. Parce que plus on vieillit, plus la peau se régénère lentement et plus il y a une accumulation de peau qui va créer les rides et ridules, comprenez? Et les AHA, ça va aller affiner pour enlever cet effet-là. Et du même fait, quand la peau sent qu'elle s'affine, ça va aller donner des signaux à nos cellules de collagène et les cellules de collagène vont s'activer pour dire « Hey, la peau s'affine, il faut reproduire du collagène. » Fait que de façon très, très vulgarisée, là, ça ressemble un peu à ça. La façon que les AHA fonctionnent. Alors, je vais prendre ma petite crème. Ça, c'est la crème de jour, je crois. Oui, c'est ça. Alors, je voulais vous montrer la crème de nuit qui est sous forme de gel. Alors, c'est un gel bleu comme ça.
Et semble-t-il, je ne l'ai pas essayé encore, là, je l'essaie avec vous, ça va se transformer en une huile très, très fine. Je l'essaie à l'instant. Alors, on l'applique. Premièrement, on va aller réchauffer le produit sur les doigts. On va le déposer sur notre visage. Donc, premièrement, ça sent le ciel, là. C'est incroyable. Moi, des produits qui sentent... J'ai de la difficulté avec des produits qui sentent rien. En fait, j'aime ça quand ça a une expérience sensorielle. Et ces produits-là, ça a... Je trouve ça extraordinaire ce que ça sent, sachant que ce n'est pas des parfums synthétiques, mais c'est vraiment des extraits de plantes. Et ensuite, on va aller masser par mouvement circulaire. Ah, oh, ça sent, là! Toujours en allant également masser sous la mâchoire. Et plus on prend le temps de... Ah, oh, c'est doux, doux, doux. Ça fait vraiment un aspect satiné. Ça se transforme en huile à la fin. C'est génial. Ça sent bon. Alors, on masse vers le haut, comme ça. Et plus on prend le temps, des fois on n'a pas toujours le temps, mais si vous avez le temps de bien masser votre peau, et ce que la compagnie Payot propose aussi, c'est de faire des massages pour pouvoir accélérer encore plus la circulation sanguine et ça fait en sorte que vous allez doubler les effets de vos produits. Et la façon de faire les massages, c'est que vous prenez vos index que vous allez plier comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez masser comme ceci partout sur votre visage. Alors, c'est une des techniques de massage qu'on peut faire à la maison pour bien masser et faire pénétrer la peau. Alors, chaque compagnie a ses propres techniques de massage. Donc, Payot propose cette technique-là quand on applique les soins du visage, toujours avec des mouvements vers le haut, comme ceci. Alors ça, c'était pour le soin de nuit. Tracy, les conseils au niveau des exfoliants, et c'est la prochaine chose que je vais faire, en fait, c'est, je vous dirais, 2 fois par semaine, c'est la moyenne pour les exfoliants. Voilà pour le soin de nuit. Alors, la nuit, en principe, on devrait avoir 2-3 produits. Ça dépend, là, si on ajoute des sérums, etc., là, ça augmente le temps d'exécution, mais c'est correct aussi, là. Mais minimum, on devrait avoir nettoyant et une crème de nuit pour aider notre peau à se régénérer. Et on peut ajouter également une lotion tonique entre les deux. Donc, 1, 2 et 3. Alors, je vous rappelle que c'est ma belle Anamé Lessard, mon esthéticienne, qui m'a fait cadeau de ces produits-là que je trouve exceptionnels. Si vous cherchez une esthéticienne, quelqu'un d'hyper compétent qui va vous proposer des produits de haute qualité, haut de gamme, je vous suggère fortement de la contacter. Puis là, je ne l'ai pas vue encore se connecter au live. Je sais qu'elle avait des clientes ce matin, mais Anamé, si tu as 2 minutes puis que tu veux juste dire un petit bonjour, juste par écrit pour que les gens sachent qui tu es, puis puissent savoir où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre. Alors, je t'invite à tout simplement là, écrire en commentaire ton numéro de téléphone, ton adresse, où est-ce qu'on peut te rejoindre. Ensuite de ça, je vais vous montrer la crème de jour juste tantôt parce que je veux vous montrer le soin hebdomadaire qu'on fait. Alors, là, évidemment, si je faisais un vrai... je fais un vrai soin, en fait, là. Mais en principe... Quand je fais mon soin, je ne vais pas mettre ma crème de nuit. Je l'ai mis tout simplement pour la tester, pour vous en parler. Mais en temps normal, j'aurais pris mon nettoyant, j'aurais pris ma lotion et par la suite, j'aurais passé à mon soin hebdomadaire. Et aujourd'hui, je vais utiliser l'exfoliant. En fait, c'est un gommage toujours à base de framboise et il y a des vrais petits pépins de framboise à l'intérieur. Alors, en fait... L'action mécanique d'exfolier, c'est les petits noyaux de framboise qu'il y a à l'intérieur. Je trouve ça vraiment génial, en fait. Gommage, que ça s'appelle, parce que souvent en France, les gens vont parler de gommer, de gommage. Et ici, au Québec, on parle plus d'exfoliation, d'exfoliant.
Alors, je vais prendre une petite quantité. Ah, vous voyez, il est encore scellé. Donc, je l'ouvre devant vous. Et je vais... Donc, c'est vraiment un gel comme ceci, qui doit sentir encore une fois le ciel. Donc, je vais en appliquer partout. Oh my God! Ça sent! C'est fou! Je mouille les doigts. OK? Ah ouais, hein? OK, je sens toutes les petites granules à l'intérieur. Ah, ça, c'est génial! Toutes les petites granules de framboise qu'il y a à l'intérieur, ça va vraiment comme aller sabler la peau. Et je fais la même chose. Je vais aller toujours en mouvement circulaire. Appliquer partout, 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 partout. Toujours en mouillant. Alors, les petites granules et l'aspect rosé que vous voyez, c'est vraiment le produit à base de framboise. Mais si vous sentiez ce que ça sent, ça serait extraordinaire. Ça serait le fun que vous pourriez gratter sur l'écran pour savoir ce que ça sent, parce que, tu sais, comme dans les magazines, là, on peut gratter pour sentir. Donc, on peut masser pendant 3 à 5 minutes pour un effet vraiment optimal. Et ça, les exfoliants, c'est vraiment un boost d'éclat pour la peau. Tantôt, je vous parlais que en vieillissant, et vous savez qu'on commence à vieillir à partir de l'âge de 25 ans. On dit qu'à partir de l'âge de 25 ans, on est comme au summum de nos cellules. Et à partir de l'âge de 25 ans, après 25 ans, tranquillement, les cellules vont commencer à ralentir leur processus de régénération, ce qui va créer, malheureusement, le vieillissement. Donc, je continue à bien masser. Et là, ce que ça va faire, l'exfoliant, c'est que ça va encore plus faire en sorte que vos produits de soins, vos sérums, vos crèmes que vous mettez matin et soir vont être encore plus efficaces, parce que vous allez enlever toutes les petites cellules mortes et la couche de peau qui s'accumule avec le temps. Vous allez enlever toutes ces... En fait, cette petite couche-là est désirable, qui empêche les produits de bien faire leur travail. Alors, je reprends mes petits cotons, donc mes mêmes petits cotons de tantôt, et ensuite, je vais tout simplement bien rincer. Alors, vous rincez l'idéal à l'eau tiède, OK? Alors, on évite l'eau trop chaude. Toujours avec les mêmes mouvements et de la même façon que je tiens mes petits cotons. Donc, la peau devient... douce, 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 douce. Si vous aimez les masques, vous pouvez vous faire un masque après l'exfoliant. Donc, la façon de faire, en fait, les... Je vais changer de bol d'eau. Je m'étais apporté deux bols d'eau pour être sûre de terminer avec une eau propre et fraîche. Alors, si vous faites... si vous avez un masque également, l'idéal est de faire votre nettoyant, ensuite votre exfoliant ou votre gommage. Et après, en troisième lieu, vous faites votre masque. C'est la façon de faire un soin à la maison. Donc, je vais bien rincer le tout. Voilà. Ensuite, quand on termine un soin, vous terminez aussi avec votre lotion tonique. Alors, la lotion que j'ai utilisée tantôt va me permettre d'enlever le surplus, les petits restants qui pourraient rester. Et je vais... C'est vraiment un traitement aromathérapique. Oh, mon Dieu! Alors, je vais terminer avec l'autre côté de mes petits tampons qui ont été... gentiment cousu et créé par Marianne Banville et sa maman. C'est super le fun, hein? Moi, j'aime assez ça avoir des affaires qui sont faites par du monde, du vrai monde qu'on connaît.
comme Anamé, tu sais, je trouve ça tellement le fun. Anamé, c'est une de mes anciennes élèves en plus, qui a lancé son institut de beauté à l'âge de 22 ans. Elle a 22 ans et elle a ouvert son institut de beauté avec des employés, avec des gens avec qui elle travaille. Ça prend un courage et du guts incroyable et j'admire ça vraiment. Et ça me fait tellement plaisir de l'encourager et d'en parler comme ça parce que c'est un honneur pour moi. Puis vous savez hein, que moi, j'aime tellement ça, mettre en valeur les gens qui sont alentour de moi. Tu sais, je vous parle tout le temps de ma styliste, je vous parle tout le temps de mon amie Mélissa, je vous parle de mon coach Martin, je vous parle de mon esthéticienne. J'aime ça, mettre les gens en valeur, c'est ça qui est le fun. Puis ça fait en sorte que ça les encourage aussi parce que je trouve que le talent se doit absolument d'être mis de l'avant. C'est pourquoi je fais mon travail, c'est pourquoi j'enseigne, c'est pourquoi j'ai mon groupe Facebook « Sois l'artiste » pour mettre en lumière le plus de gens possible. C'est ma mission première. Je trouve ça super le fun. Donc, finalement, il me reste... Bonjour Laura! Laura, peut-être que tu ne me reconnais pas parce que je ne suis pas maquillée. Parce qu'aujourd'hui, je parle des soins de la peau. Alors, ça se peut que tu ne me reconnais pas. Je suis Marilyn Pellerin. On a passé une partie de la semaine passée ensemble. Vous voyez, mon accent a changé parce que je suis française dans l'âme. Je trouve que je suis revenue avec un accent français. Les Français disent que non, mais moi, je pense que j'ai l'accent français. Voilà, point final. C'était bien drôle parce que quand je suis arrivée là-bas, je disais que c'était eux autres qui avaient un accent français, puis eux autres, ils disent que c'est nous autres qui avons un accent. T'sais, c'est toujours ce même combat-là qu'on a avec nos amis français. Non, c'est toi qui as l'accent. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Puis c'est une guerre perdue d'avance qui arrêtera jamais. Laura, et moi, québécoise dans l'âme, ben oui, Laura, parce que toi aussi, semble-t-il que tu vas peut-être avoir un pied à terre au Québec. J'expliquais aux gens que j'allais avoir un pied à Paris très, très bientôt, parce que c'est ça un de mes grands rêves. Puis toi, ben Laura, je pense que ça vaudrait le coup que tu aies un pied au Québec. Pourquoi? Parce que Laura tripe sur les bûcherons. J'ai-tu dit ça, Laura? Est-ce qu'on laisse ça là? Est-ce qu'on continue la discussion? Qu'est-ce que t'en penses, Laura? On s'en va-tu là-dedans vraiment? En tout cas, tout ça pour dire que Laura là, se cherche l'homme idéal, puis on lui a tout dit que l'homme idéal, c'était les Québécois. Puis que les Québécois sont un peu bûcherons sur les bords. Ouais, c'est ça. Fait que si vous connaissez un bûcheron au cœur tendre, voilà. Mais on en a peut-être déjà trouvé un. Fait que soit que vous faites vite. Justement, Laura, ça va comment cette histoire-là? J'aimerais ça que tu nous en parles. J'aimerais ça être à l'affût de ce roman à l'eau de rose, s'il vous plaît. Laura, que j'ai eu le bonheur de rencontrer à Paris également, qui nous a accueillis chez elle, qui est une femme que je vais voir d'ailleurs, qui va être à mon atelier de la psychomorphologie, Laura. Donc, qui va également intervenir. Hein? Je pense que Laura, tu vas également offrir une conférence lors de ce week-end-là. En fait, je n'ai pas dit encore aux gens à quel endroit j'allais. Je ne leur ai pas dit. Je leur ai demandé d'essayer de deviner à quel endroit dans le monde je pars dans 2 semaines pour aller donner une conférence. On a dit, tantôt, on a dit Dubaï, on a dit Maroc, on a dit sur une île, on a juste dit ça. Je termine avec le soin du jour. Alors, le matin, comme je vous dis, vous devez faire minimum 2 gestes de beauté primordiales. Que vous vous maquillez ou pas, vous devez absolument les faire parce qu'on doit bien réhydrater la peau. Et si on veut un teint éclatant, et c'est une des choses les plus importantes quand on veut avoir l'air radieuse, avoir un coup d'éclat, là, ça passe par la peau. Alors, ça donne absolument rien de surcharger de maquillage vos yeux, de surcharger votre visage également de fond de teint, de poudre bronzante, à défaut
de ne pas faire les soins du visage qui va vous apporter l'éclat naturel. Donc ensuite, là, après avoir fait ça, bien, je vais vous en expliquer après. Là. Alors, vous pouvez, si vous voulez, renettoyer votre peau ou vous pouvez simplement reprendre la lotion tonique que vous passez sur votre visage. Voilà. Et ensuite, vous terminez avec le soin. Alors ici, c'est une petite crème un peu fouettée. Je vais vous dire, elle est à base de quoi? C'est une crème qui va également nous protéger de la lumière bleue. Alors, je vous parlais tantôt de la lumière bleue qui était rendue notre ennemi numéro un pour le vieillissement, qui fait en sorte que la peau vieillit de façon prématurée. La lumière bleue, c'est quoi? C'est les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone cellulaire, de iPad, de tablette. Tout ça fait que notre peau vieillit de façon prématurée. Et c'est un nouveau soin qui est sorti par Payot qui fait en sorte que nous allons être protégés de ça. Donc, je vais mettre ma crème hydratante pour continuer à vous parler sans vieillir. Ça ressemble à ça, là. Le soin actif, en fait, c'est les peptides. Alors, les peptides qui viennent également des plantes qui repulpent la peau. En fait, les peptides, c'est... Je ne veux pas rentrer trop dans la cosmétologie, là, mais c'est une protéine qu'on a en, d'ailleurs dans la peau déjà. Bonjour Chantal! Chantal qui était là hier, ça va bien! Donc, hier on parlait de maquillage, aujourd'hui on parle de soins de la peau. Alors, les peptides qui vont en fait stimuler la production de collagène. Collagène, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce qui permet d'avoir la peau repulpée. La peau repulpée, c'est la peau qui... c'est en fait le coussin de la peau que l'on perd en vieillissant. En vieillissant, la peau, c'est comme si la peau se dégonflait légèrement, perdait l'eau, le collagène, l'élasticité, et c'est ce qui va créer la peau qui va s'affaisser et qui va avoir des rides et ridules. Donc, on a tout avantage à utiliser des produits qui vont stimuler le collagène pour repulper la peau, pour regonfler les rides et les ridules. Aude, je pense, pour ne pas mettre les doigts dans la crème, pour ne pas les souiller. Attendez, j'ai-tu manqué? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu prends une crème avec un Q-tip rose? Oui, exactement. C'est simplement pour ne pas mettre mes doigts dedans. Alors, c'est plus hygiénique, premièrement. Et vous savez que si vous voulez garder vos produits longtemps, tout ce qui est crème hydratant, un coup que vous ouvrez le pot, c'est bon, maximum un an. Par contre, s'il est contaminé, parce que même si j'ai bien nettoyé ma peau, surtout que j'ai les ongles assez longs, ça ne peut pas être 100% stérilisé, vous comprenez? Donc, c'est sûr que si je prends mes doigts puis je les mets directement dans mon pot, il va évidemment avoir un transfert de bactéries et ma crème va être bonne moins longtemps. Alors, je vous suggère de prendre soit une petite spatule propre ou moi, là, j'avais un coton-tige. Alors, j'ai pris un coton-tige. Je prends ma crème de jour. Alors, comme je vous disais, c'est à base de peptides d'hibiscus. Et ce que ça va faire, c'est principalement que ça va aller décrisper la peau. Donc, ça va aller détendre la peau. Ça va donner vraiment, et surtout, encore une fois, avec la senteur extraordinaire, ça relaxe. On commence par inhaler. Essayez de sentir, ça sent le ciel. Voilà. Alors, je vais simplement déposer l'hydratant sur mon visage. Et encore une fois, je fais des mouvements circulaires pour en appliquer partout. Donc, c'est une crème... Oh, mon doux, que ça sent bon! Hello! Alors, ça sent, encore une fois, excessivement bon. Et, semble-t-il, qu'on dit que la peau, avec les études qui ont été faites, 85% des gens ont vu la peau se lisser. 76% des gens ont vu la peau se décrisper. Et 71% ont vu un éclat supplémentaire au niveau de la peau. Je ne sais pas si vous voyez la différence d'éclat de ma peau versus au début du live. Alors,
Moi, je vois en tout cas un effet vraiment intéressant. Là, la peau est... Ah! À quand ta gamme, Cindy? Ah, écoute, il y a tellement de projets. Peut-être un jour. Mais là, pour l'instant, hein, je vous parle de la gamme Payot que vous pouvez vous procurer chez Anamé Institut. Alors, Anamé Lessard, qui est mon esthéticienne d'amour, qui est d'un professionnalisme et qui a une expertise extraordinaire. Si vous vous cherchez une bonne esthéticienne qui va vous conseiller les bons produits, des produits de qualité, haut de gamme, en plus qui a la nouvelle révolution pour vous protéger de la lumière bleue. Et si vous avez aimé ce petit soin-là, en fait, hein, parce que le but premier était aussi de vous éduquer par rapport aux soins de beauté, le premier geste de beauté, c'est de prendre soin de sa peau. Alors, par la suite, quand ma peau est bien nettoyée, j'ai mis mon soin visage, j'ai réoxygéné, j'ai revitaminé ma peau, bien, je pourrais juste mettre un petit voile de... juste une petite poudre, mascara, un petit rouge à lèvres léger et ma beauté, en fait... Qu'est-ce qu'il y a de là? Ah oui! Bon, c'est mon petit garçon qui vient me parler pour me dire que là, c'est presque le temps de terminer mon live. Parce que ce matin, il n'y avait pas de hockey. Donc, habituellement, je fais mon live pendant que mon petit garçon est parti au hockey. Mais là, il n'est pas au hockey, il est ici. En passant, il n'était pas tout seul, là, sachez-le bien. Mais là, il veut voir sa maman. Donc, je vais aller à la rescousse jouer, je ne sais pas, là, au Lego avec mon petit garçon. On va peut-être aller faire un tour dehors parce qu'il fait super beau. Donc, si vous avez aimé ce petit live, ce vidéo d'information concernant les soins de la peau, vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits pouces et également partager. En passant, si vous voulez savoir où est-ce que je vais dans 2 semaines, je m'en vais. Est-ce que je vous le dis tout de suite ou j'attends un autre live? Je pense que je vais attendre un prochain live. Ouais, le prochain live, je vais vous dire à quel endroit je prends l'avion dans 2 semaines pour faire mon atelier sur la psychomorphologie. Alors, je vous souhaite un très beau samedi. Merci d'avoir été là. Mouah! J'espère que vous avez appris des petits trucs super intéressants. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine remplie de bulles et champagne. Salut!